Là, il y a un rayon de soleil, je profite pour faire une pause. Pour méditer aussi, en fait, finalement, le surf, c'est vraiment ressentir le flow de l'océan, ressentir les vagues. Et du coup, voilà, je vais faire un exercice de relax et de méditation, de lâcher prise. Mais bon, comme là, je suis en plein soleil, je vais protéger ma peau. Je me remets une petite dose. J'adore la texture du Multi Defender, elle est vraiment hyper riche. J'ai la peau qui tire, ça me fait du bien, je sens que d'un seul coup, ah, ça la réhydrate. Ça redonne vie en fait à la peau de mon visage. D'un seul coup là, comme ça, ah, hop, je peux sourire. Voilà, moi, mon petit secret, c'est toujours d'en rajouter un peu sur le dos des mains. Voilà. Lanzarote, 20 décembre, c'est mon tout dernier jour. Je prends l'avion à 13h30 aujourd'hui et donc j'ai quand même voulu essayer d'aller faire une dernière session à 7h du matin au petit lever du soleil. Et Luca, qui m'a gentiment accompagnée, me dit que ça va quand même encore être dur. J'ai peur de me dégoûter. Du coup, je vais quand même profiter de mes deux dernières heures à Lanzarote. Voilà, mais différemment. On est au spot préféré de Luca. Voilà. Le surf était très bien, il a pris des vagues, il a terminé le cours, elle connaît maintenant comment faire le surf toute seule. Elle peut ramer jusqu'à le line-up, il peut prendre une vague, ok, il peut remonter autrefois, il peut prendre autre vague, donc pour moi, mission accomplished. Nous avons des conditions pas très bonnes. Je suis sincère, honnête, il était des conditions difficiles. Donc bien sûr, le cil c'était très fort, la mer c'était très fort aussi. Donc je suis content que le cil il a réussi à faire de bons surf, de bonnes vagues, il est content, il veut faire du surf pour toute la vie. Il était très persévérant, il m'a dit toute la fois, non, un vague de plus, un vague de plus. Et pour moi, ça c'est de bonne attitude. Il n'y a personne dans l'eau, donc c'est tout pour moi et je pars à l'eau. C'est le temps pour moi de rentrer à Paris, fêter Noël avec mes enfants. J'ai adoré, j'ai vraiment l'impression d'avoir relevé le défi. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je suis capable d'aller prendre une planche de surf et d'aller chercher le line-up sans avoir l'air ridicule et de m'améliorer dans mes take-off et de commencer à m'amuser. Du coup, voilà, clairement, je ne suis pas un super-héros, on ne devient pas un surfeur en 4 jours, mais en revanche on peut faire partie du truc, commencer à ressentir le kiff dès le 4e jour, apprendre les bases et intégrer le surf dans sa vie. Donc
j'ai super envie de m'y remettre dans des conditions cool, aux Bahamas, sur une petite vague, dans une mer à 30 degrés. Je voulais remercier Biotherme de m'avoir permis de réaliser cette expérience vraiment hors du commun, qui j'espère vous a donné envie de vous aussi vivre plus intensément, aller au bout de vos passions et de vos envies surtout, et de ne vous fixer aucune limite. Tout est possible dans la mesure où on est accompagné et où voilà, on a vraiment la motivation. Je voulais remercier aussi Luca qui a été hyper patient avec moi et qui m'a vraiment aidé à tenter l'impossible, c'est-à-dire de surfer comme un pro au bout de 4 jours. Bon bah on y est moyennement arrivé, mais au moins on a essayé et du coup c'était vraiment chouette. Et surtout vous remerciez vous d'avoir suivi cette aventure avec moi. Merci de toujours être de plus en plus nombreux sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon blog. C'est grâce à vous que je vis ça et c'est pour vous que je le vis aussi, pour vous donner envie de relever des défis et de vivre plus intensément chaque jour. Ne vous fixez pas de limites, la seule limite, c'est dans la tête. Salut. Wow.